Maître Michel, bonjour. Bonjour, guerrier. Bonjour, Bob C. Bonjour, tout le monde, capitaine de Radio Caraïbe FM, dans la diaspora, dans le quartier populaire, dans 20 communes département l'Ouest, là, dans tout le pays. Et toutes amis, camarades, militants RDNP, plateforme justice, et militants de l'autre organisation, parti politique allié, qui a supporté nous, nous disons, moi saluer yo, me saluer particulièrement, et mon gangouave, jusqu'à présent, un problème gangouave qui est beaucoup réglé, une élection qui fait, résultat pas capable de bail, et semaine prochaine, mon gangouave doit pas qu'à traverser gangouave, pour le tigoua, ou bien pour l'autre côté, même seul, ça m'a dit conseil électoral là, une élection qui fait gangouave, bon candidat qui gagne, bon candidat perdu. C'est la règle dans une démocratie. Il faut que CEPA assume responsabilité by résultat élection grand gouave là pour capable gagner la paix, quel que soit monde qui gagne, quel que soit monde qui perdu. C'est la vérité qui doit triompher parce que moi j'ai information précise que d'ici la fin de cette semaine, pour un problème grand gouave. Et la probable communauté, c'est Côte d'Ivoire également, t'es un problème. Attendez, CEPA a dit rien sur cas Côte d'Ivoire là qui pas gagné député. Nous connaît très bien la situation Côte d'Ivoire, gagné deux députés qui pour aller dans le deuxième tour. Okay. Évidemment, t'es une contestation qui était faite de la part d'un député que nous te font requête, nous adresser à conseil électoral là. Et même quoi que d'après décision CEP, il paraît que pour algon on la reprise du second pour algain on aura un premier un second tour et à Côte d'Ivoire c'est ça me quoi le conseil électoral a décidé. Mais sous affaire première circonscription, on voulait faire on parenthèse rapidement. On croit que en commission d'enquête administrative pas capable d'autoriser pour trois candidats dans l'élection, ça n'existe pas. 20 candidats capables dans le deuxième tour. Si élection en fait gagne un candidat qui devant gagne 19 autres qui gagne même quantité de vote, yo tout pral dans le deuxième tour. Mais attention, en commission d'enquête pas qu'à trancher, vous le dites gagne 3 moun qui pral dans le deuxième tour. Le BCRN capable à le recompter vote dans centre tabulation et ont estimé qu'il y a 3 candidats qui sont obligés à aller en fonction de quantité de votes qu'ils fait. Mais une commission d'enquête administrative. En fait, décision commission, pas qu'à sous tête commission, en fait, BCRN, non. C'est pas même ça lié. Les juridiquement impossible pour une commission d'enquête décider trois mouvements dans le deuxième tour. Sous qui base les décider? Parce que qui j'en pour trois mouvements dans le deuxième tour? C'est ou bien élection en fait, il y a 3 mouvements qui fait même quantité de vote, ou bien Gagnon qui fait 200 votes, et puis il y a deux autres qui fait 155 votes. À partir de ce moment, les trois iront au second tour. Oui, mais une commission d'enquête ne peut pas prendre une décision de ce genre. Et pour moi, ce n'est pas correct, et le CEP devrait rectifier le tir. C'est ce que je pense. Il faut qu'on contenir, décision. Oui, mais une commission d'enquête n'a pas décidé. Okay. C'est l'avocat qui le dit, il n'a pas une décision sur ça. Oui. Maître Michel, écoutez, élection ça, c'est comme si moi, bon, opération fourmi fou. Cap fait la donne, tantôt où elle on est en ordre croissant, tantôt où elle en ordre décroissant. Où est bon groupe cap passé monté, par exemple, député qui besoin d'un sénateur, sénateur qui besoin d'un président, et puis où est candidat à la présidence cap passé descendre. Là, on vient pas qu'à comprendre. Mais André Michel, t'es candidat à la présidence, dans la dernière élection, yo. Je dis à le candidat au Sénat, département de l'Ouest. Expliquez-nous ça, ne pas fin. Très bien, très bien. Bon, c'est simple. Et, on pas de faire campagne comme candidat à la présidence. Élection faite 9 août, dans le pays, c'était les élections législatives. Depuis après élection ça, nous t'es clair, pas d'abgain élection 25 octobre. Nous t'es même entré en campagne à travers l'espace de résistance patriotique pour nous combattre l'élection 25 octobre là, parce que pour nous le clair, pas d'abon. Et commission vérification électorale vient faite, tout le monde ba non raison, pas de gagner élection 25 octobre. Moi, j'étais tellement pas dans élection 25 octobre, au point que, même chèque plus passé 2 millions de gouttes, l'état de voyer, ben moins, pour me faire campagne, moi, pas trop se voile, parce que moi, t'es dit conseil électoral là, moi, pas dans élection, bon petit vicieux, bon petit délinquant, bon petit voyou, m'pas gain droit, prendre 2 millions de gouttes, l'état voyer pour moi. C'est une question de respect. Okay. Bref, m'pas faire campagne dans élection 25 octobre. Et, maintenant, l'élection vient démarrer, m'pas de gain intention candidat au Sénat. L'élection vient à démarrer, candidat fin inscrit, à partir de candidat commencé préparé pour l'inscrit, mon bon ami qui relève, qui dit André, écoute, tu as ta place au Parlement.
Bon absence de débat dans le Parlement, c'est désordre qu'a fait en bas, pas un débat qu'a fait dans le sens de l'intérêt national, c'est deux trois nègres qui utilisent le Parlement pour les affaires ou pour faire raquette, c'est on question côté deux trois nègres contrôlent le Parlement ou fait ça ouvre avec lui, il dit André Michel, tu as ta place au Parlement. C'est et à partir de ce moment, on tape sous domaine. Il y a parti, on va citer non personne. Non, moi je dis c'est pour me taper sous domaine, ou bah où? Yo bah moi? Non, 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 c'est pour me taper sous domaine. C'est des amis. Petit garçon, côté au près aller à là, c'est là, pas là, ou non, pas à l'autre côté. Descend en bas. Non, non, il pas ça, il pas ça du tout. Il pas comme ça. Non, il pas ça du tout. Parce que moi j'ai déjà décidé de me pas candidat à la présidence. Moi j'ai déjà pas de confirmer candidature, moi. Et je crois, vous êtes candidat à la présidence, c'est pas ton groupe d'amis. C'est ton choix volontaire. Bon, c'est ton choix qui te répond à une circonstance bien déterminée. Mm-hmm. Maintenant, là, tout le monde dit, faut qu'on candidat au Sénat parce que ou gain place ou dans le Parlement, ou capable de faire débat, ou gain crédibilité, ou gain conviction, mm-hmm. ou gain niveau pour ça, et à partir de ce moment, j'ai pris la décision de me porter candidat au Sénat. Il y a un monde qui dit, Maître Michel, ces derniers jours, il n'y a pas qu'on sous qui soit prend le chitin, puisque choix le bataille où, avant, c'était critique acerbe contre Joseph Michel Mantelli et consort. Et journée jodian, au candidat au Sénat, département de l'Ouest, Joseph Michel Mantelli n'est plus. Qui stratégie campagne où? Est-ce que le chita sous dénigrement, corruption? Et qui forme, qui stratégie où elle utilise pour mieux passer dans la campagne ça? Parce qu'on a des concurrents très très sérieux qui sont en bataille là. Bon, bon, comme on dit, lui, même pas ouais, oh. Bon, moi, je vais bien. Et, moi, c'est dans une bataille politique pendant 5 ans. Ok. C'est Martelly qui était président, il était adversaire politique pendant un moment. Mais bataille, man, c'est pas une bataille contre un monde. Ok. Là, on a dit la bataille contre la corruption. Mais la corruption, c'est pas un seul monde qui symbolise. Non, il y a un monde qui volait, mais il y a un bande d'autres monde qui volait. La lutte contre la corruption, son bataille fondamentale. La corruption, il augmente les inégalités sociales dans le pays. Parce qu'ils sont un petit groupe monde qui bénéficie de toute richesse, la majorité est pauvre. La corruption, il ralentit le développement économique du pays. Parce que c'est l'argent pour faire route, l'argent pour faire l'école, l'argent pour construire l'hôpital, l'argent pour payer professeurs, pour payer policiers, pour payer employés l'État, l'argent pour population de l'eau potable, électricité, c'est l'agence à deux trois nègres volés. Corruption, hein. Roun qui baille, il fait qui pi grave. Li fait de ou même, qui sont jeunes garçons, qui sont titouins, qui viennent ici, à l'école, qui fait effort. Li fait de guerriers et Dieu seul, qui fait effort pour le venir imposer dans le pays à Namiko Radio Caraïbe. Li fait de yo, un monde qui n'a pas d'importance. Parce que corruption, c'est nègres qui volaient, qui gagne importance. Un jeune garçon qui a 17 ans qui a pleuvé dans le quartier populaire, c'est pas un jeune garçon qui a l'école là qui modèle lui. Ah non, c'est pas un qui fait effort. Modèle lui, c'est un qui vole qui réussit. La corruption casse le ressort moral de la société. Ça casse la nécessité pour les jeunes de faire des efforts pour être capable de venir à accéder à un avenir meilleur. Pour ces trois raisons, il faut combattre la corruption. Ça n'a pas de vouloir avec Mateli. Les mêmes batailles contre Samte Capabre Léo et Moun Cap craser souveraineté pays. C'est pas une question de Mateli. Moi, je dis qu'il faut reprendre la souveraineté de ce pays. Et c'est ça que fait l'homme sénateur. Première proposition de loi, ma baille dans le Parlement, c'est une loi pour nous capables de voter, pour nous capables de créer définitivement le Fonds national électoral. Parce que quoi, nous besoin partenaires étrangers. Mais nos questions politiques, faut nous capables faire élection avec l'argent. Nous faut nous capables prendre décision politique nous-mêmes et ceci en fonction des intérêts. Nous l'homme dit ma bataille pour une politique de protection sociale. Ça pas grand emploi avec Mateli. La protection sociale, oui. Parce que nous pas capables dans pays côté ne pas protéger moun ki pi faible yo. Je dis à servante yo, gardien la cour yo, pas gon loi qui ba yo droit à une assurance maladie. Est-ce qu'on connaît l'Organisation internationale du travail, OIT, lui adopter des dispositions en faveur des travailleurs domestiques? Quand elle dit, l'on moun servante, l'on moun gardien la cour, la travail la caillou, ou faites pour payer une assurance pour lui? Bref, il y a trois piliers pour agir sous yo dans le Parlement. Un, c'est la reconquête de la souveraineté nationale, pour moi, c'est un bail qui est fondamental. Deux,
c'est une politique de protection sociale, éducation, santé, tout là-dedans, protéger moun ki pi faible, protéger ti machan, nèg k'ap vann pa padap, moun k'ap travay nan factory, agent sécurité, policier, il faut les protéger, et m'kwen nan ça, c'est ma conviction, parce que m'soti très bas, pour m'rive côté mien là. Si de même sénateur de la République, faut m'protéger sa pi faible. Et troisième bagaille, c'est la lutte contre la corruption. Je dis à, dans le pays, nèg fin volé, quand on met interdiction de départ à compte, on dit c'est persécution politique. Eh bien, sénateur de la République, ce problème, je vais le régler. Parce que n'a fait voter en loi, de telle sorte que nous autorisons le commissaire du gouvernement pour mettre interdiction de départ contre monde en matière de corruption. Parce que c'est seulement en matière de recouvrement de créances que la justice est autorisée à émettre des interdictions de départ. Eh bien, faut qu'on loi qui vote pour nous dire, depuis ces corruptions, eh bien, le commissaire du gouvernement capable de mettre interdiction de départ contre n'importe monde. Parce que le pays a gagné trop volé. Si je chasse la pitié, et puis deux, trois nègres prennent le fourrel dans le poche. Et puis trois arrêtés Jean Liéa, tout respect y a arrêté Jean Liéa, section communale y a abandonné, jeunes y a abandonné, femmes y a abandonné, et femmes y a, n'a parlé de femmes y a, nous surtout parlé de femmes qui a levé petit sans papa. Un bon garçon vagabond, marché grosse femme, et puis enceinte, la guerre dans la rue a pas occupé tout le monde. Il y a une femme qui dit ça pendant que je parle avec lui. Il dit, nous pas ouais ça qui a passé dans le pays. Candidat, on va parler pour femme. Et c'est vrai. Mais il y a une loi sur paternité responsable. Oui, mais loi ça, faut implémenter. Parce que quelle est la situation? Je vais dire ça comme avocat. Est-ce que c'est pour la loi? Non, je vais dire. C'est pour l'application. Je vais te dire. Émile Durkheim disait que les faits sociaux sont totaux et globaux. Pour comprendre les faits sociaux, faut analyser dans sa totalité et dans sa globalité. Si son loi seulement mettait, pourquoi? Loi va pas résoudre le problème, non? Parce que, un monde, qui pas qu'à bailler petite li manger, papa petite la pour occuper, il n'y a pas qu'à payer un avocat pour le défendre devant le tribunal là tout. Et ça, pour comprendre. Elle dit, question, hein, son question globale liée. Faut nous dire tout. Comment, n'a aider moun sa yo, joindre justice. Mais, faut que l'État capable d'un système que l'appliquer, qui pour permettre moun sa yo joindre un avocat qui accompagne yo. Même Jean Long moun rive assise criminel, et mettre Céline. Ou pas un avocat, bah ou de Port-au-Prince bon avocat. L'État, bon avocat. Et même Jean Tout, en matière de pension alimentaire, faut capable d'un effort qui fait, un monde qui vini, papa petit li pas occupé petit li, eh bien, faut li capable joindre un avocat qui accompagne il gratuitement, qui pourra le faire procédure pour lui. Parce que m'a dit ça, cabinet avocat, c'est pas qui coûte cher. Si c'est pas là qu'André Michel ou vini, ou qu'on pension alimentaire pour faire, y a pas de 30 000 goud, y a pas de 40 000 goud, et là, ils sont pas capables. Si j'en André Michel avocat peuple, pas un problème. Moi, le faire pour, comme je le fais régulièrement. Et m'a dit, non, bagaille, Bob, c'est qui très grave. André Michel. Est-ce qu'on connaît? André Michel avec Maître Yonton. Est-ce qu'on connaît? Il y a plusieurs autres. Est-ce qu'on connaît Bob, c'est? Il y a qui sénateur là pour occuper petit yo. Est-ce qu'on connaît, il y a qui député là pour occuper petit yo là? Il y a qui député m'pra action contre parce qu'on pour occuper petit yo. C'est là extrêmement grave. C'est une question morale. Bref, c'est un pays malade. Et c'est le système qui est malade. Et c'est tout le système qu'il faut changer si effectivement nous voulons arriver à un changement réel. La charité bien ordonnée commence par soi-même. En nos conditions matrimoniales, Maître Michel, d'abord. Nous sommes qui mariés, bien petit, moi. Combien petit? Bien deux petits. À combien moment? Ah bon? Oui, mais... À un seul moment. À un seul moment. Et l'âge premier, M. Michel? 7 ans. Et deuxième, non? Ou pas, il a le deuxième petit. Ou il va aller 4 ans? Il va aller 4 ans. Donc, avant l'émission finie là, nous avons une fille qui relève pour dire. Non. Et puis, je vais te dire une chose. Il n'y a pas de problème, on est qui choisit. Il y en a qui ont petit à plusieurs moments, c'est pas un problème, ça bien. Occupez-vous. Okay. Ça veut dire, si Bob Céline est décidé, faut qu'il y ait petit avec X, avec Y, avec Z, c'est pas mon problème. Yeah. Mais faut l'occuper, parce que faut nous d'accord que, dans la culture, nous,
Et le plus souvent, et garçon ou fait petit à plusieurs moments. Et il y a l'autre pays côté ça pas posé problème du tout, mais occuper petit monde c'est ça qui est obligation. M'pa pas don nèg, écoutez, mais combien ménage vous gagnez? Ça pas problème pam, son problème personnel, mais ça qui est important pour moi. L'on nèg font petit monde, moi pas accepter ou la gueule dans la rue. OK, sur la question loi ça, donc on dit loi pour non, je rendal telle histoire, hein. Et loi sur paternité responsable qui va parler. Oui, mais le problème c'est la mise en place, c'est la mise en application de cette loi. Okay. Parce que m'dou plus gros problème nan un maman petite papa la gè ti moun nan main yo pa konn droit yo vrai yo pa même konnen si yo gen droit à une action en pension alimentaire. Le plus souvent c'est les revenir dans cabinet m'a dit mais ça la loi autorise au fait, mais ça c'est le premier problème. Mais deuxième problème, les fin konnen comment yo pa ka saisi doyen pour compte avec requête là. Faut bon moun qui fait requête là pour yo pour faire référé à pour yo. Ça veut dire son avocat qui pour faire, yo pa gen moyen pour yo payer avocat. Bref, le problème est total, le problème est global et c'est globalement qu'il faut comprendre le problème. Très bien. Sur ce question, tu as parlé tout à l'heure des fonds pour organisation électorale. Ouais ouais, bien sûr, il faut créer définitivement un compte de souveraineté électorale ou bien un fonds national électoral. Oui, on dit depuis avant et nous recevons là qui vont question ba nous l'idine à lire article 111-2 pour mettre André Michel donc quoi essayer de nous comprendre tout. Et l'idine ça c'est sous question et on regarder dans quel chapitre lié rapidement c'est section 111-2. Oui oui, c'est section de l'exercice du pouvoir législatif, OK? Section 2. OK, il dit que toutefois OK, il dit toutefois l'initiative de la loi budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'État est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des députés. Donc, il devait expliquer que, sans parler là, depuis c'est pour rentrer l'argent, c'est exécutif là, qui pour, Bon, c'est loi qui a un rapport avec le budget. Il est clair qu'en matière de budget, c'est le pouvoir exécutif qui gagne l'initiative des lois. Même si loi, le rivé dans le Parlement, député, sénateur, capable de faire des modifications, capable de faire réajustement. Mais on loi qui prend le palais de créer un fonds national électoral, ça c'est pour une loi budgétaire que lié. Parce que c'est l'argent quand même. Oui, mais c'est pas. Non. On loi pour créer le fonds national électoral, le Parlement capable de proposer. Et puis, si d'aventure, effectivement, t'as une difficulté pour que le Parlement prenne, bon, c'est pas mon opinion, dans ce cas, eh bien, on peut toujours exercer des pressions sur l'exécutif pour que l'exécutif puisse assumer lui-même ses responsabilités. Mais ma conviction, on loi qui dit définitivement, nous pourrions créer un fonds national électoral, parce qu'un fonds permanent la pied. Son fonds permanent, la pied. C'est pas un fonds qui pral valable seulement pour exercice fiscal. C'est ce que l'auditeur ne comprend pas. Son fonds permanent, côté cap toujours là. Et c'est comme le fonds d'entretien routier, par exemple, fer. Son fonds qui est là pour ça. C'est comme fonds collectivité territoriale. Ce sont des fonds permanents. C'est pas des lois budgétaires. Présence au Parlement, son triplex, vous parlez des protections, ça est plus vulnérable. La protection sociale, la lutte contre la corruption, la reconquête de la souveraineté nationale. La famille, et qui est-ce où est dans le Sénat République, dans la 50e législature, là, on est capable d'allier avec eux, parce qu'on a que, on idée comme ça, perspective, hein, donc on va entrer dans un grand corps, on n'est pas capable de faire le passé, ou même personnellement, faut qu'on joigne des alliés, et qui parlementaire, ouais, qui est mieux placé dans la 50e, là, qui est capable de faire une connexion, allier avant, pour faire passer, proposition, yo. Bon, écoutez. Moi, c'est fondamentalement un homme de gauche. Je suis un homme de gauche. J'ai toujours assumé ma ligne de conviction. Je crois que je vais faire individualité, ce n'est pas le moment de le faire. Mais je crois que moi, j'ai d'excellentes relations avec des parlementaires qui soutiennent le secteur démocratique, le secteur populaire. Et quand il y a une élection pour renouvellement au Sénat, et c'est clair que arriver
au Parlement, on va devoir se mettre ensemble pour nous capables de faire appliquer tout ça nous gagne comme vision politique. Il faut me dire que au niveau du RDNP déjà, Madame Maniga lui-même lui commencer à travailler sous un agenda législatif, un menu que tout parlementaire RDNP a bien pour porter son travail extraordinaire, parce que Madame Maniga lui-même dit quoi que Constitution 87 là pour nous appliquer, nous besoin vingtaine de lois d'application. Bref, c'est un travail colossal, le travail parlementaire. Et pour un travail, et Timoun, c'est pour un travail petit, c'est un gros travail. Je crois que dans pile zami qui en bas, n'a pas capable de mettre ensemble. Même pas de son bagaille. Il est clair que même si nous en majorité, qualité sénateur m'bralia, qualité parlementaire m'bralia, il y a deux bagailles m'bralia veut faire passer, probablement même en dans majorité, à m'abjoindre opposition. Parce que je suis un homme de gauche, fondamentalement de gauche, et je crois dans la souveraineté nationale, je crois dans la protection sociale. Moi, je vais bien. Je dis, dans tout budget, nous, on va parler de subventions agricoles, pas de subventions pour paysans latinos. Pas un homme à discours de gauche, comportement de... Non, je suis un homme de gauche. Je suis fondamentalement un homme de gauche. Et c'est clair. Et foncièrement de gauche. Et je resterai jusqu'à ma mort, un homme de gauche. C'est clair. C'est ma ligne de conviction et ma ligne de combat. Moi, je dis ça, et Bob, c'est. Par exemple, sous prend politique agricole qui va appliquer dans le pays, côté, nous quitter du riz étranger, vient envahir ma chère. Du riz étranger qui bénéficie, support gouvernement la caillou. Vient envahir ma chère et puis n'a crasé production la Tibonite. Nous quitter poule, œufs, capsouti, Saint-Domingue, vient envahir ma chère et puis nous pas encourager production œufs, production poule dans le plateau central. Mais le jodi a si un sénateur un député dit dans budget a faut gon rubrique de subvention agricole. Parce que on est majorité député, majorité sénateur, majorité moun k'ap fait campagne ici. Eh bien, mais c'est nèg k'ap vann du riz, k'ap acheter du riz l'autre bon pour vinn craser production bo ici, c'est eux même qui financer campagne yo, c'est eux même k'acheter machine pour yo, c'est eux même k'acheter caille pour yo. En quelque sorte, la classe politique haïtienne, son classe politique à 80% reste avec. Et c'est ça qui fait problème, on va capable poser. Parce que si nèg k'ap vann du riz, c'est lui qui financer campagne yo. Nèg k'ap acheter pour le senti Saint-Domingue pour vinn vann ici, c'est lui qui financer campagne yo. Mais il pas bon droit l'arrivée dans le parlement comme député comme sénateur pour demander subvention agricole pour paysans les organes, pour paysans arcaillés, pour paysans mbraldousao, pour paysans la Tibonite, li pas bon droit nèg qui financer campagne wa pour demander subvention pour moun k'ap fait poule dans plateau central par exemple. Parce que nos hommes politiques, 80%, parce que m'kwa gen konèt, yo pas autonome. C'est nèg k'achete machine pou yo, c'est nèg k'achete kay pou yo. C'est une classe politique reste avec. Et c'est ça le problème de ce pays. Comment Maître André Michel fait démarquer le monde ça? Ou posons une question qui est fondamentale. Gen deux raisons qui fait ça. La première raison, Jean Mdolia, je suis fondamentalement un homme de gauche. C'est-à-dire m'kwa, nan supporter moun ki pi faible, mwen kwè nan supporter moun ki pi pauvre, mwen kwè nan bay moun le bras, parce que moi-même mwen sorti en bas, mwen sorti en bas net, ou konn nèg la montagne ou konn famille, ou konn juste côté mwen sorti pou mwen rive là. Li t'a pou crime pou mwen pa ta supporter moun ki pi faible. Et c'est ça que fait relé m'avocat peuple là tout. Parce que l'on vient dans cabinet, c'est agent de sécurité ou moun ki pa ka payer. C'est moun k'ap travaille dans factory ou joine. M'ap défend moun nan tout pays. Y'a gen moun sot la Tibonite pour dossier ban moun nan cabinet. Gen moun ki sot plateau central pour te dossier terre ban moun nan cabinet. Parce que m'ap défend yo. Okay. C'est la première raison. Ma ligne idéologique. Mais deuxième raison en tout. Je suis un homme politique autonome parce que moi je ne vis pas de la politique. Moi je vis de profession comme avocat. Profession mien, hein, que m'apprenne. Que me prend patience pour m'apprendre, li bam manger pour manger, li bam cob pour mettre dans poche moins, li bam petit cob pour mettre gaz dans machine moins, li bam petit cob si me besoin bon bière pour me boire bière, li bam petit cob pour me payer l'école petite moins. Comme moi bon nèg qui besoin millionnaire, pas besoin si riche, ou pas si pauvre. Non, m'abdou. Non, écoutez. Écoutez, nous sommes avocats. Alors nèg qui te dit ma avocat pauvre là, c'est parce que sont arrogants. Mais on avocat les gens doivent avoir un avocat pauvre dans le sens que la défendre pauvre. Non, avocat sont nés qui ont un train de vie. Okay. Et surtout un avocat qui ont un minimum de notoriété, qui ont un client qui a vu joindre. Bref, moi dis, et deux raisons ça au qui fait, moi pas un politicien reste avec un, c'est ma ligne de combat. Je suis fondamentalement un homme de gauche. Moi quoi faut nous aider les gens qui sont pauvres. Et pour aider les gens qui sont pauvres, faut nous pas rester avec les gens qui sont riches.
Deuxième bagaille, moi dis, moi son homme politique autonome, c'est profession qui va manger. Gagne qui dans politique pour payer caillou faut relon nèg dans secteur privé. Pour mettre gaz dans machine yo faut relon nèg dans secteur privé. Je ne suis pas de cette catégorie et ceci grâce à Dieu. Un succès sans un successeur est un échec. Maintenant que Michel comme homme de gauche, qui préparation fait pour continuité de gauche ça la Kaili, si me demander petite Lio, est-ce qu'il y a ce que modèle papa? Si oui, est-ce qu'il y a en Haïti, dans quelle école, il y a préparé, bon, que n'a pas bâillé l'école là, est-ce qu'on pas inquiet, pour l'école qui a préparé petit Lio, qui a écarté ou des idéologies ça, qui va pogner, qui c'est gauche là? Non, m'pas quoi. Dans tout pays, il y a un homme de gauche. Quel que soit côté où on apprend, il est capable toujours de gagner en formation idéologique. À la vérité, moi crois que papa maman ont un rôle fondamental pour jouer dans éducation petit yo. Moi-même petit moi m'a pleuvé yo pour yo kembe ligne de combat nan. Parce que moi crois et c'est ma conviction, je le dis avec franchise. Ça qui pi bien, ça qui pi belle là c'est le wap servi monde qui pas capable ba ou rien en retour. Pi belle procès a c'est leur paraître dans tribunal là gon nèg yo pral juger qui pa gen 5 ans pour payer avocat ou mettez toujours sous dos ou défendre ou libérer et puis il dit mettre merci ou konn m pa gagne pour mba ou et pour rentrer la caillou. Moi pense ça pour moi le formidable et c'est une valeur que me partager, son valeur que me cultiver. Moi croyant ça ou parler de famille moi ou connaît très bien que l'on en bataille politique, femme pas nécessairement gagne même courage avant. L'ayo arrêté mardi 22 octobre 2013, le grand pile menace sous moi, le ça. Madame n'a dit, moi-même pas arrêté là. Ou même ou arrêté ou c'est politicien, mais moi-même pas dans politique. Parce que là, y'a vin tout yem, y'a tout yem petit moi. Et à partir de ce moment, ou pas capable de décider pour marrer le boule rete. Mais, il fait choix parce que, effectivement, nous t'es sous menace, nous t'es en danger, et ou même dans le micro ça, m'pas capable de compter combien de fois ou t'es intervenu pour faire comprendre que, effectivement, j'étais en danger. Moi, t'es en danger, et là, m'dou danger, à danger imminent, m'dou capable de mourir, m'dou capable de laisser pomme. Mais comme son garçon solide, moi pas fait bac devant danger, moi pas faire bac devant menace, moi te mener une bataille là jusqu'à ce que nous arrivions à créer ça nous créer là aujourd'hui comme situation politique plus ou moins acceptable, plus ou moins équilibrée. Idéologie droite gauche extrême yo donc faut que nous bien détaillé, faut qu'on bien définir. Si nous gauche, nous gauche net, si nous droite net. Donc n'a pas gagné temps ça pour l'autre débat, n'a pas gagné de temps. C'est allé en début à mettre Michel ou dit ou pas au courant si gagne l'autre candidat en face ou même gagne camarade de combat ou, Patrice Dumont qui parti pour même poste là 50e nan, si on seul sénateur n'a besoin au département de l'Ouest. Là, au courant de ça, et comment apprendre une nouvelle là? Non, mais écoutez, c'est pas un camarade de combat. Ah oui, DNP, ADNP. Non, sans ça, je suis capable de dire. Et il y a l'autre n'est qui plus camarade de combat. Ah bon, que Pépé? Écoutez, Anel Belize plus camarade de combat. Okay. Mira et Jean-Mito plus camarade de combat. Que Pépé? C'est les nègres nous fait 5 ans à bataille ensemble, sous béton. Je suis capable de prendre ex. On est dans quoi ça de vol s'il est plus camarade de combat que Pépé? Ah, c'est la vérité. On pas prêt de trip pour non, pas non, non, non. On est dans quoi c'est le côté nous te font politique ensemble. C'est pendant la campagne de Madame Maniga. Okay. En 2010. Mais après ça, nous. Pas membre RDNP. Ou pas membre RDNP, en fait. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Bref, c'est pas un camarade de combat. La vérité, c'est un ami. Ok. Oui, c'est un ami. Littéralement, zanmim, l'homme bral candidat, moi, relèl, pour me dire, Pépé, tu sais qu'il y a des amis qui me demandent de me porter candidat au Sénat. Ah, bon. Et c'est le ça, Pépé dit, mon André, où qu'on est, c'est, ben, pas de jambes qu'on est, c'est une dégain vocation pour l'adversaire. Et ben, bah, comme ça, et puis, ce jour ça, même jour ça, le dégain pour le départi. Mais, faut qu'on d'où, nous, gain bon. En relation, nous amis, mais c'est pas un camarade de combat, parce que combat difficile, moi, mené, yo, et, m'pa joindre ni sous route, moi, là, dans, yo, les m'a bataille contre corruption, les m'a goûté, m'pa joindre ni sous terrain, ça, les m'a manifestation, m'pa joindre ni, même d'où sont nos amis. Maître, souvent, maître, entre deux amis,
c'est l'un qui soit ami de l'autre, très souvent. On peut dire même à l'autre, là, si j'embrasse mon rival, c'est pour mieux l'étrangler. Donc, Maître André Michel embrasse Patrice Dimon, c'est pour mieux le protéger, quoi. Non, dans la dynamique, ça, écoute. Okay. Et puis, je vais te dire, Micro Radio Caraïbe, ça, très puissant. L'homme vient là, je suis en pleine campagne électorale, je me fais campagne, moi. Okay. Je ne viens pas aider l'autre candidat. Mm-hmm. Quel autre candidat, là, il vient là, vous parlez de tête, yo. Je suis là ce matin, moi, ici de la matin, hein, ou invité-moi. Okay. Je viens là pour dire, mais pour qui ça, me candidat? Et, tout le monde qui pourra le voter, mieux compte pour qui ça pourra le voter. Moi, venez, moi, d'où, mais ça m'bra le fait. L'homme, il vient dans le Parlement. Hein? Mais, sous qui ça m'bra l'agit, mais qui travaille, moi, pour le fait. Parce que travail, un député, un sénateur, sans pile travail lié. Travail contrôle l'action gouvernementale. C'est pour un petit travail petit. Travail contrôle l'exécution du budget. C'est pour un petit travail petit. L'offre vote budget au bail gouvernement budget. Maintenant, faut contrôler l'exécution du budget. Faut qu'à chaque moment, on suive, est-ce que budget a la exécuté effectivement? Est-ce que quoi vous te bail pour l'école, là, c'est l'école qui fait? Est-ce que quoi vous te bail pour route, là, c'est route qui fait? Est-ce que l'argent vous te bail pour l'hôpital, là, c'est l'hôpital qui fait? Surtout le sénateur qui travaille en permanence. C'est pour ça que je viens là. Pour me dire, mon Dieu, écoutez, dans l'élection, ça, le seul choix, c'est Maître André Michel, le candidat du RDNP. Numéro 147, Tikaï là. Ma vine parler de votre candidat. On a les qui finance Maître André Michel. Que votre candidat vienne parler de tête. Qui finance Maître André Michel? La finite. Belle question. Qui finance Maître André Michel? Moi, j'ai premier sous des financements, c'est tête. Premier sous des financements, c'est tête. Parce que moi-même, moi, je dis, moi, je suis professionnel. Et ces derniers temps, je fais quelques petits dossiers qui pas mal. Moi, mettons un bon petit cob dans la campagne, moi. On allait plus vite, parce que... Et, il y a l'autre avocat, Zan Mim, qui mettait cob. Ok. Très bien. Qui candidat à la présidence? Jusqu'à présent, oui. N'a dégagé, nous. On qui candidat à la présidence? Attendez, Michel, la supporte. Vas-y. Non, madame, nous faisons passer après, parce oui, que... Oui, Adler, qui candidat à la présidence, madame, Michel, la supporte? Elle gagne déjà? Qui candidat à la présidence, madame, Michel, la supporte? Moi, trouvez-moi une situation stratégique compliquée. Parce que qui s'est passé jusqu'à présent, je dis, à, moi, pourquoi, dit, mais qui candidat à la présidence m'a supporté? Pour une seule raison. Gen moun, tout côté qui a voté, avocat peuple, André Michel. Quel que soit candidat à la présidence, moun n'a voté, elle sentit confortable. En aller, pour le voter André Michel. Parce que le dit, André Michel, c'est le candidat du secteur démocratique. Et à partir de ce moment, il est très difficile pour me faire un choix, je dis. D'accord, merci un peu, maître André Michel. Bonne journée et bonne chance. Merci, guerrier. Merci, Bobsé. Merci, Boss Madichon. Et merci aux auditeurs de Radio Caraïbe FM. Exactement. Ça a été un plaisir.